Le tableau s'intitule Diego et yo, autrement dit Diego et moi, et un portrait de l'iconique Frida Kahlo. Elle nous fixe de son regard, intense, surmonté de ses sourcils. Des larmes coulant de ses yeux, sur son front apparaît comme un troisième œil le visage de Diego Rivera, l'homme de sa vie, celui qui a fait son bonheur et sa peine. Diego Rivera, deux fois marié à Frida Kahlo, le peintre mexicain est peu représenté dans l'œuvre de sa femme. À eux deux, ils forment un couple mythique. Le duo était surnommé l'éléphant et la colombe. Leur vie commune a connu de nombreuses blessures et cela n'a cessé qu'avec la mort de Frida en 1954. Ce qui explique sans doute le montant record de cette vente exceptionnelle qui a atteint les 34,9 millions de dollars au moins d'une minute aux enchères à New York. L'œuvre d'art de Frida Kahlo a été acquise par le fondateur du musée des arts latino-américains, Eduardo Castantini. Cette transaction a rendu Frida l'artiste femme latino-américaine dont l'œuvre est vendue la plus chère. Frida n'a pas produit beaucoup de peintures en raison de sa santé fragile, mais cet autoportrait minimaliste est poignant et résume tous les thèmes travaillés par l'artiste.